match sérieux. C'est important pour nous de continuer sur notre dynamique qu'on a mis en place depuis Tour 3. Donc voilà, on s'est focalisé sur notre propre jeu et aujourd'hui ça a bien payé et on s'est mis à l'abri rapidement. Ouais, vous avez respecté cette équipe d'Épinal. Oui, oui, ben, on a vu de toute façon que les résultats pour eux parlent en leur faveur. Ils étaient en confiance, ils venaient de battre Flan et l'IAC, qu'on avait eu du mal à jouer en match amical. Donc on savait à quoi s'attendre. Ils avaient un jeu un peu atypique avec beaucoup de serveurs flottants, avec les Mikasa, donc on ne savait pas trop nous où on en était avec ces ballons. On a bien tenu en récep et on a fait le taf au service avec notamment un bon bloc défense. Bon, il y a un début de championnat compliqué et vous êtes en train de remonter la pente. Est-ce que c'est ton avis, est-ce que vous montez en puissance? Ah oui, c'est clair, on monte en puissance, on a un peu déjoué sur les trois premiers matchs, non, maintenant on est concentré, on travaille bien, à l'entraînement on s'entraîne bien, donc on était confiant aussi que bah, notre niveau de jeu allait augmenter. Maintenant il y a encore des trucs à régler encore parce que tout le monde est arrivé un peu tard au club, donc maintenant là on retrouve quelques affinités avec les joueurs et on progresse de match en match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette formation finalienne? On l'a vu au début du premier set où ils ont commencé très fort. Donc c'est une équipe qui joue bien, qui a des joueurs techniques, qui sont assez stables en récep avec des joueurs qui ont une bonne variété à l'attaque. Et surtout ils ont beaucoup de serveurs flottants et je pense qu'ils peuvent poser pas mal de problèmes, notamment en une, notamment avec le peu de fautes qu'ils font, notamment à l'attaque et au service. Bon, tu suis les loups de Saint-Dié aussi au visé? Bah ouais, bien sûr, hein. Comme il y a ma sœur qui joue là-bas, je suis ses résultats et je suis content pour elle parce que ça casse bien pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer.